essentielle, principalement en faveur des personnes. Grâce à cette convention signée, la Fondation Athlutien va mettre sur pied dans un futur proche un centre de rééducation fonctionnelle à Dizongué, proche de la ville d'Edeya au Cameroun, disposant d'un service pointu de chirurgie orthopédique et du personnel bien formé. La Fondation, avec son centre de Dizongué, pourra accueillir le pauvre, le riche, dans un cadre idéal avec un personnel bien formé. Nous allons accueillir, donc, dans le cadre de cette convention, les professionnels du Cameroun, des établissements de la Fondation, qui viendront se former, recueillir des conseils, des aides techniques et un tas d'autres choses. Le centre de CAEPA prend en charge des patients atteints d'un certain nombre de pathologies venant d'établissements dits de court séjour ou du domicile pour la rééducation. Cet établissement emploie 700 professionnels représentant 70 métiers environ. Des services et ateliers qu'on peut visiter la partie camerounaise pour toucher du doigt la réalité de la compétence et du matériel utilisé. Je mettrai toutes ces choses derrière le sourire de l'ensemble du personnel. C'est quelque chose qui est très frappant et je ne saurais que trop encourager tout le monde d'accueillir le malade avec ce sourire-là. Le futur centre de Dizongué, en collaboration avec les grands hôpitaux du Cameroun, pourra accueillir les malades pour les soins après la chirurgie. C'est très souvent, c'est le plus dur. On opère un malade, il n'a plus les moyens pour suivre la rééducation et Athlutien sera là pour répondre à ce complément.